Merci, Ninja qui fait tout. Tu nous as sauvés. Ninja, plus rasoir. Pas un poil ne résiste. Infirmière, qu'y a-t-il au menu dans la salle d'attente? Madame Rose est là depuis un bon moment. Eh bien, faites-la entrer avant qu'elle ne change d'idée. Je suis venue chercher mon ordonnance. Ah oui, je l'ai rédigée ce matin en feuilletant un livre de cuisine. C'est drôle, on dirait une liste d'ingrédients. Olives noires, menthe, trois échalotes tachées finement. Oui, mais il s'agit d'herbes médicinales. Vous les mélangez à l'eau de votre bain, chère dame, et vous y marinez jusqu'à ce que vous soyez bien attendrie. Mais cette ordonnance est pour mon chat. Vous êtes bien vétérinaire? Non, je suis médecin, et ceci est mon cabinet. Pardonnez-moi, mais je n'y vois plus rien. Désolée, docteur. Cette ordonnance vaut pour votre chat. Amenez-le-moi. Je ne suis pas difficile. J'ai une faim de loup. Oh, génial, la nouvelle voiture. On va faire un tour. C'est Capitaine Gagraté. Gagraté, tu dis? Votre voiture a un châssis souriant, car la carrosserie... Vous saisissez, carrosserie? Vous êtes vraiment horrible. Écoutez ceci. Quelle voiture les Mexicains conduisent-ils? Des tacos. Le plat favori des chauffeurs est la banquette de veau. Banquette de veau. Soyez prudents au volant. Papa, comment fonctionne la télécommande? Eh bien, fiston, lorsque tu appuies sur ce bouton, d'affreux petits monstres verts sont projetés dans les airs. Et alors, ils se mettent à ronger les boutons avec leurs dents pointues jusqu'à ce que la chaîne change. Donc, ne reste pas devant la télécommande ou ils s'en prendront à toi. Oh, c'est une blague, fiston. Oh, fiston. Un petit câlin. Va-t'en, monsieur l'ourson, je suis trop grand pour ça. Un petit câlin, un câlin, un câlin. Papa, pourquoi est-ce qu'on pose
cause du papier peint? Eh bien, fiston, c'est pour emprisonner le calmar carnivore qui vit dans ses murs. Oh! Et parfois, au milieu de la nuit, il passe à travers le papier peint et il mange les petits enfants qu'il attrape avec ses tentacules. Ah! C'est une blague, fiston. Oh, fiston, n'importe quoi. Oh, Horace, c'est parfait comme travail d'été. Et des glaces à volonté, Tati. Ce n'est pas une bonne idée de manger les glaces des enfants. Ils ne disent rien, Tati. Trop de glace peut causer des accidents. Tati, ça fait des heures que je n'ai pas eu de petit accident. Oh. Oh, j'ai parlé trop vite. Pauvres enfants. Désolé, Tati. Désolé, les enfants. Papa, pourquoi ton fauteuil est-il si douillet? Eh bien, fiston, tous les coussins du fauteuil sont remplis d'abominables hommes des neiges. D'horribles créatures avec de grosses griffes, mais avec de la fourrure très douce. Et ils n'aiment pas du tout être coincés dans ce fauteuil. Alors tu dois être très prudent, parce qu'il arrive qu'ils sortent de ces coussins et qu'ils avalent tout le monde. Ce n'était qu'une blague. L'écureuil serviette en papier joue dehors. Il trouve ça très amusant de courir sur le trottoir. Il trouve ça très amusant de jouer dans les feuilles. Mais les grosses flaques d'eau, alors ça ne l'amuse pas du tout. Toi, tu nous nargues, fais gaffe, parce qu'on est des poissons bagarreurs japonais. Et on est durs. Très durs. Alors cesse de nous narguer. On n'aime pas les méduses, elles puent. Les méduses, elles empestent. Les méduses, elles empestent. Les vieilles méduses, elles empestent. Ouais, vieilles méduses. Les méduses, elles piquent, non? Oh ouais. Vieilles méduses, vieilles méduses. Vieille méduse. Hé, hey, elle nous ignore. T'es pas de taille contre les poissons bagarreurs japonais. À l'attaque. Hé, hey, tu nous cherches, dis. Ouais. Ah, ouais, ça va. Est-ce qu'il t'a piqué? Oui, je suis blessé. Ok, coach, je suis prêt. C'est très bien, Nicolas. Le seul problème, c'est qu'on joue au basketball. Salut, je suis Paul Jourduy. Et je suis Sally Vogue. Et voici les grands titres. Les cerveaux des filles sont faits en gelée d'orteil. Les cerveaux des garçons sont faits en larves de hamster. Les filles sentent les chaussures remplies d'épinards. Les garçons sentent la soupe aux poux. Les filles marchent comme ça. Les garçons marchent comme ça. J'adore ton pull. Ce vieux truc. Voyons. Ok, coach. Je suis prêt. C'est très bien, Nicolas. Le seul problème, c'est qu'on joue au baseball. Hein? Mardi dernier, cela a fait exactement 60 millions d'années que les dinosaures ont disparu. Il y a eu des tas de raisons pour cela. Et voici seulement l'une d'entre elles, la numéro 7,5. Oh!
Il ne reste plus une miette. Ninja plus aspirateur, ramasse miette. Oh tiens, voilà Jeanne Labelle. S'il te plaît, une ritournelle. Je m'appelle Jeanne Labelle et voici ma ritournelle. Et c'est parti.